53 ans derrière là. Quand on rentre là, la première imagination que vous faites, c'est qu'on quitte derrière vous, dehors. Moi, c'est comme un homme aux parents, au papa qui m'a tué, mon vieux papa paralysé. Quand mon sentiment est fermé, quand mon parent est malade, ou un l'amour, quand je suis dans un problème, quand moi, mon homme n'est pas capable, qui est vraiment moins puissant, les là, nous sentons fermés. Les là, nous sentons très durs. Il faudrait même comment dire qu'il y a ma tombe à nous les pieds. Quand un du monde me propose moi un travail, vraiment, je ne peux pas imaginer les conséquences. Je ne peux pas imaginer si tu es dans 3 ans derrière là. Après ça, nous la vie et tout, tout pour finir en place. J'ai été arrêtée il y a 4 ans parce qu'on a trouvé du Subutex dans une boîte de biscuits que je transportais. C'est difficile de rester tout le temps au même endroit, d'être enfermée, de ne pas pouvoir se balader ou bouger, ou voyager. La journée, je vais travailler au jardin. Donc je m'occupe des canards aussi. Sinon, c'est difficile de rester tout le temps au même endroit. À la prison des femmes, nous avons en moyenne de 100 à 150 détenus et de différents cas. La drogue, la prostitution, murder case et aussi larceny. Ces bonnes personnes-là, je viens en prison, c'est parce qu'ils ont fait commettre une offense dehors qui est punie par la loi. Et à ce arrivé ici, la prison, ce n'est pas un lieu pour punir, mais c'est un lieu côté la réhabilitation et la sécurité. Donc, en détenu, je suis ici pour réhabiliter. Mère des enfants, bien tu fais. Je suis venue ici depuis 2007, 2008, 2007, 8 décembre. Je suis condamnée 35 ans pour la drogue. Et quelque chose que je ne savais pas, qu'il y en a quelque chose que là-dedans. C'est très dur pour moi, quitte mes bons enfants, parce que je suis venue ici pour vacances. Ce n'est pas pour la drogue, pour vacances, je suis venue ici. Pour nous étrangers, ici, c'est très dur. C'est très, très dur. Parce que nous sommes loin de nos familles.
couldn't imagine that something like this will happen to me because I left 3 small children at home. But thank God they forgave me. They're waiting for me with open arms. I came to Mauritius bringing heroin. It was a very big mistake, but there was difficulties at home. And you know the people there, they convince you that it's like a holiday, nothing will happen to you. And at least you can bring money to look after you, because I'm a mother of 5 children, that I can look after them. But unfortunately, God didn't give me the chance to pass. Life in prison, if you follow the rules and regulations, it is very easy. But if you don't follow the rules and regulations, you make it for yourself difficult, it won't be easy for you. But for me, my 11 years, I can tell you that I will miss part of the prison when I go. Je suis ici en prison, ça fait 3 ans là. J'étais venue en 2012. J'étais enceinte, mon fils, enceinte 3 mois. Mais personne ne m'a piégée pour aller ici. Mais sans y réfléchir, mais parce que je suis en souffrance, mais on allait pour aller à Maurice. Quand on arrive ici, on a attrapé à l'aéroport, mais il y en a la drogue. Ici, je n'ai pas de famille du tout. Les officiers qui m'ont aidé tout pour les vêtements, ou tout qui chose pour mes enfants. Quand je suis ici en prison, mon papa est mort. Il n'est pas facile pour moi du tout. Même ma maman, par contre, du tout, je suis en prison jusqu'à ce moment. Mon fils est avec moi, il est en prison. Maintenant, il a 2 ans, 4 mois. Mon fils avec moi, lui, mon courage aussi. Des côtés, mon besoin fort toujours pour son mot. Moi, j'essaie tout pour éduquer de bonne manière. Mais il n'est pas facile pour moi, moi, tous mes enfants avec moi, la souffrance, tout ça. Mais grâce à mon Dieu aussi, mon besoin fort. Mais grâce aussi, il y en a ça qui est là. Il y a une façon pour découverte un peu le monde en dehors de prison. Jamais me dire les prisons, ça me dit ça, nous la chambre, nous rester ici pour le moment. Un jour, nous pouvons aller à Madagascar, nos pays, mais nous apprendre à faire la prière. Mais nous pas connaître la prison, ça. Mon père me dit juste dire beau bassin, Maurice, mais nous pas connaître la prison, ça. C'est vrai, nous une famille. Nous créons une famille. Vous connaissez quand les enfants tombent. Il est vrai ou pas un médecin, mais les premières affaires qu'il fait, quand on peut prendre ou casoler ou jalouser ou faire un bisou ou frotter, c'est ce de les râler qui les rend réconfortés par ça.
Parce que, allez, t'as l'air de tomber un coup. C'est les enfants que, qui peuvent moi. C'est qui les enfants? C'est pas mes enfants, mais c'est mes enfants. À la prison, quand ils disent faire prison, c'est difficile pour gagner l'emploi dehors. Donc prison met tout à ce service pour que quand ces personnes là sortent, ils n'ont pas besoin de grand capital, mais qu'ils soient capables de trouver un moyen à travers une activité qu'ils font ici, qu'ils soient capables de gagner de la vie et de devenir un bon citoyen. Je me sens plaisir à travailler et c'est quand on fait un travail là que je me sens à l'aise. Quand je suis venu, j'ai une tomate. La tomate finie, elle a mis 5 mètres de coco anglaise. Elle montre moi comment vous êtes transport, je suis pas là, donc tout ça là. Vous doucement, ça va apprendre. Mon récit, qu'on prend le travail là un peu. Et auparavant, je peux faire jardin et puis nous avons un greenhouse. Il faut partir de la réhabilitation quelque part. Nous faisons ça dans le but que quand je peux sortir, je suis capable de trouver un travail. Même pas dans le greenhouse, mais côté jardin, côté fleurs. Bientôt, pour faire 10 ans, l'année prochaine, ma condamnation finie. Et moi, l'écoutement. Pour l'instant, je ne peux pas réfléchir sur le travail que je peux faire de haut, mais c'est moi. Tout ce qui m'a appris, m'a capté pour lui servir moi de haut. Il y a eu ce problème-là, et comment ça t'a pris, et où tu en es? J'ai tellement l'habitude de faire comme ça avant que je ne sais plus comment réagir maintenant. Il faut qu'elle puisse savoir, ça c'est important. Le malaise dans lequel tu es, tout ça, il faudrait que tu puisses lui dire. Sans l'accuser, je n'ai pas besoin de lui dire, tu m'as fait quelque chose. Je dis, voilà ce que je ressens par rapport à ce qui s'est passé. Nous sommes une association qui nous permet d'abord d'accéder à la prison pour faire la visite des détenus une fois la semaine ou peu importe, deux fois, de façon à aider les détenus à vivre leur quotidien un petit peu plus légèrement. À discuter des thèmes avec elles, à approfondir les thèmes pour qu'elles apprennent à mieux se connaître et à améliorer leur bien-être et à voir la vie d'une autre façon, surtout le côté positif des choses. Ce sont des mamans, des grand-mères, des sœurs, des tantes, elles sont comme nous, quoi. Et elles sont privées de leur famille, donc forcément, c'est une grande souffrance, grande détresse. Tout le monde a droit à une deuxième chance. On peut rater le pas, hein. Nous aussi nous ratons le pas de temps en temps. L'important c'est de se relever. Il y a beaucoup de choses qui m'ont appris. Dans la couture, là, il y a 17 mois. Depuis que j'ai fait mon travail dans la pâtisserie, j'ai pu apprendre. Il y a un choc pour nous, parce que 33 ans, ni pas 33 jours, ni 33 mois, hein, qu'il est condamné. Hein. Il y a plusieurs camarades encore qui ont même sentence. Mais il n'est pas facile, c'est un poids vraiment lourd. Mais nous avons fait aller quand même. Là, puis à l'eau 8 ans depuis que je suis en prison. Il y a 3 petites filles, une pour marier là, bien fini de marier, moi j'ai 6 enfants, une petite fille encore. Je me disais, il y a une université, vraiment, il y a une université. Mais c'est moi une bonne université, sinon on prend beaucoup de choses.
Dans l'atelier, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu aucun problème avec quand je travaille, je te connais qui est un règlement, je t'observe tout bonne chose que moi besoin, je suis disciplinée et je travaille comme il faut. Ben madame là, je viens, je te fais ben uniforme pour officier, pour détenu et tout bonne chose qui te servira, drap, tes doyers, tout ce ben bedding, toutes affaires. Tout à l'heure, je parle avec mes sœurs, mes deux sœurs parlent avec moi, là, ma fille, et l'autre fille aussi, encore à l'école, là. Je suis très contente, c'est grande affaire pour nous, surtout nos transits. Self-care unit, c'est un moyen pour vous donner comme la case, que vous-même vous débrouillez, comment vous avez besoin de manger, comment vous avez besoin de faire votre passage. Alors, c'est le seul moyen qui donne vous pour, comme je dirais, vous être capable de réadapter avec la vie extérieure. Ici, c'est celle qui est unique. C'était une place qu'ils trouvent dans le centre de la prison même. Alors, c'est une place que là, toute bonne personne, man du monde, qui est prêt pour aller, qui a un bon comportement. Et ça permet nous aussi, quand nous pouvons sortir, nous avons ça, la gamme, là, ça goût de préparation. Nous n'avons pas besoin de payer pour tout quand nous avons le côté. Nous n'avons pas besoin de payer pour trapper un verre, nous n'avons pas besoin de payer pour trapper un plat, vous comprenez. Alors, ça permet nous, comme je disais, nous pouvons. Quand nous rentrons, nous nous sentons un petit peu beaucoup lit. Beaucoup de monde dit prison, prison, mais pas facile pour vivre une prison. Et il n'est pas difficile ici pour vivre une prison. Et comme moi, ça fait déjà 36 mois de condamnation. Mon déjà fini faire 24. On reste encore 12 mois. Actuellement, je suis en classe de la musique. Ça fait 2 ans que je suis à la prison. Je suis là pour une caisse, un délit de drogue. Et il me reste bientôt 1 an pour moi aller. 1, 2, 3. Comme on est dans sa classe là, vraiment il y a une idée stressante. On apprend beaucoup de choses. Comment on peut écouter la musique, apprendre à écouter la musique. Et il y a beaucoup parmi nous qui ont un talent caché, que assez vraiment, que je connais, je tire ce talent-là, je veux gagner l'occasion. Et dans la classe, il y a beaucoup de madame qui sont dans différents pays, comme Madagascar, la France, Sud-Afrique. Et ensemble, chacun se partage de ce qu'ils ont dans la musique qu'ils ont dans ce pays, nous apprendre ensemble. Et quand nous écoutons la musique, vraiment, nous éloignons-nous dans sa monde carcéral-là. Nous sentons-nous plus proches avec nos familles, des fois, nos pays.
travers la musique, vraiment, ça fait nous voyager et ça amène la paix morale. Que vraiment, des fois, les durs nous tiennent dans une place carcérale, mais à travers la musique, ça vraiment déstresse nous. Mon rêve, mon envie de vivre en famille avec mes enfants, mon envie, un jour nous pour aller, nous pour vivre en famille, mes enfants pour grandir, pour bien éduquer, les, pour devenir un grand du monde. J'avais même au dire, on fait erreur, il y en a un autre malgache aussi, il y en a ses enfants avec lui. On fait erreur, mais sans avoir connu. Parce que moi, la petite fille, tout le temps, demande-moi quand moi j'étais. Ma petite fille, pour gagner 6 ans, là. Mais moi, demande-moi, ma petite fille, quand on fait téléphone, maman, on voit un cadeau pour toi. Il dit à moi, mon papa, j'ai un cadeau, maman, moi, j'ai envie de te retourner, j'ai envie de trouver toi. Mais là, pour ne pas connaître comment on fait, mais moi, demande les gouvernements mauriciens, donne-nous dernière chance de nous rentrer dans nos pays, même si vous allez en prison. Ben, j'attends de retrouver ma liberté parce que je ne suis pas encore mariée, je ne suis pas encore maman. Donc j'aimerais réaliser tout ça dans ma vie. J'aimerais remercier l'administration de la prison pour tout leur soutien, pour toutes leurs réponses et leur attention à notre égard. J'aimerais aussi qu'il y ait plus de possibilités pour les étrangères d'être transférées dans leur pays pour ne pas passer toutes ces années en prison à Maurice. Moi, c'est mon bon enfant. C'est même qui ceux qui manquent, madame. Les restes, bon affaires matérielles, bonnes choses, non. À part 10, mon bon enfant qui manque, moi, ici. Yeah. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir bien. Parce que vraiment, la prison n'est pas facile. My family, my children, that was the most important. But I'm going home. Couldn't imagine that something like this will happen to me. Because I left 3 small children at home. They were still tiny, without a mother. But thank God they forgave me. They're waiting for me with open arms. So next Saturday I will be home. I will be back with my family. Be a better mother. Be a better sister. I'm waiting for that moment. I'm happy and also a little bit stressed. Because, you know, the environment here for 11 years I've been here. I know what I left when I got away, but I don't know what is waiting really for me. My family tell me they are waiting for me, but I don't know, maybe after some time there will be a rejection. I don't know, but I have to face it. I just warn them not to do it. Don't let people at home convince you that it's easy and it's easy money. Because it's not worth it to lose your family for such a long time and lose your children. So I'm begging for them, please, not to do things, not to bring drugs to no country. It's not worth it.